Saint-Éloi, je suis le fondateur des éditions Mémoire d'Encrier qui fête ses 20 ans au marché de la poésie à Paris. Donc, Mémoire d'Encrier a démarré en 2003 et qu'aujourd'hui on est en 2023. On a un gros catalogue en poésie. En fait, ce qu'on publie, c'est beaucoup. Et en fait, ce qu'on peut appeler une poésie monde, une poésie. Je suis d'origine haïtienne, donc il y a une tradition poétique très forte en Haïti. Je suis moi-même poète. Et puis, donc, j'accueille des voix des écrivains des Premières Nations, des poètes des Premières Nations. J'accueille des écrivains, des poètes complètement silencieux, parce qu'il y a tellement d'œuvres qui sont passées sous silence, on ne sait pas pourquoi. Comme Jean-Claude Charles, on a républié Jean-Claude Charles, et qui est un écrivain fondamental. Il avait écrit un premier livre, il avait presque 20 ans, c'était Négociation. Et c'est un des livres de poésie qui m'a beaucoup marqué comme être humain. On publie, quand on parle des Premières Nations ou des Autochtones, c'est vraiment, on est dans des cultures et des imaginaires de la dépossession. Donc pour nous, c'est fondamental de publier autre chose, d'offrir, de faire une offre de lecture que les gens ont rarement la possibilité de découvrir. On publie des auteurs comme Rita Mestokocho, Joséphine Bacon et puis Naomi Fontaine. C'est des auteurs qui nous tiennent à cœur parce que ces auteurs disent autre chose. C'est une histoire qui n'a jamais été racontée, que ces auteurs racontent. Et ce qui est fondamental aussi dans cette poésie, par la force des choses, est devenue histoire parce que l'histoire de ces peuples n'a jamais été racontée et la poésie devient un vecteur de citoyenneté. C'est comme si les gens existent simplement parce qu'ils écrivent de la poésie. Et ce sont pour la plupart des femmes qui, en fait, conjuguent à travers leur poésie le verbe être pour dire que nous existons. On nous a oubliés. En fait, on fait partie des oubliés des oubliés. Donc, et j'aime beaucoup cette poésie-là parce que cette poésie-là nous montre que tout ce que, en termes de vivre ensemble, tout ce que les politiciens n'arrivent pas à faire, et peut-être que dans la vision poétique, on trouve en fait une manière d'être vivant, une manière de manifester sa présence au monde sans prédation, une manière d'être que dans le vivant et avec tous les autres vivants. C'est une manière, je pense, assez poétique de trouver la totalité humaine. Donc à Mémoire d'Encrier, c'est ce qu'on fait. On a la prétention que le monde est... On pense, le constat, c'est que le monde est malade. Et le médicament et l'antidote, c'est la poésie. Moi, j'ai une question. Je sais que c'est une question difficile, mais si vous deviez mettre en avant là un ou deux auteurs récents, vous diriez? Mais je vais commencer par les plus récents. Il y a le livre de Rita Mestokocho, qui est un livre magnifique, qui s'appelle Le cœur du caribou. Et ce livre est un de livres et suivi de... Il y a un pour Madiba, Un jour Madiba m'a dit. Donc c'est important pour voir toujours dans ces imaginaires de la dépossession. Le cœur du caribou, le caribou c'est son grand-père, et le livre est suivi en fait, elle en tant que femme Innu, en fait autochtone, elle sort de son grand-père pour converser avec Nelson Mandela. Donc vous voyez le grand-père Innu qui joue un rôle clé dans la constitution de ce qu'on de la nation en fait, entre guillemets Innu, et la communauté Innu qui, à travers Rita Mestokocho, salue un combattant qui est Nelson Mandela. Donc je pense que c'est des choses que seulement en poésie qu'on peut voir ces genres d'utopie. Un combattant autochtone qui est en lien avec
Nelson Mandela. Donc c'est une parole qui est à travers des continents différents. Donc il y a un autre livre qui me tient vraiment à cœur, c'est De l'amour des étranges chevaux. C'est un livre assez important pour nous, De l'amour des étranges chevaux. De l'amour des étranges chevaux, c'est Nathalie Andal. Et Nathalie Andal, c'est un livre traduit. Nathalie Andal est une Palestinienne qui vit à New York et qui vivait en Haïti, qui vivait, je pense, au sein de l'Argentine, qui s'est établie à New York et qui travaille, en fait, à l'université aux États-Unis, qui travaille en anglais et qui écrit en anglais, qui travaille dans diverses langues. Et ça a été traduit par une poète, Samira Negrouche, qui est une poète immense, une poète algérienne, qui a traduit cette poète palestinienne. C'est intéressant pour voir deux femmes. Le livre s'appelle De l'amour des étranges chevaux, et puis c'est Nathalie Andal, et c'est le souffle de Samira Negrouche en français qui m'a beaucoup frappé. C'est-à-dire pour dire que c'est comme si j'ai l'impression que si Nathalie Andal écrivait en français son livre, c'est exactement comme ça qu'elle écrirait son livre. Et c'est un livre vraiment magnifique. J'aimerais pour mieux vous parler du livre. En fait, vous peut-être lire un court extrait d'abord de Le cœur du caribou de Rita Mestokocho qui dit: mon peuple écrivait, je reprends, mon peuple écrivait des millions de livres éparpillés sur le territoire, des encyclopédies de rivière, des dictionnaires de montagne, des géographies de forêt. Vous voyez, on est dans une autre cosmovision, et là c'est de l'amour, c'est vraiment un texte, et que j'aime beaucoup l'idée de Nathalie Andal. C'est comme si l'érotisme, c'est une manière de faire la révolution aussi. Quand on libère le corps, on peut libérer des nations entières, on peut libérer également des continents. Et c'est un extrait: suis-je le chansonnier ou l'es-tu? Réponds. À quel oiseau ai-je parlé quand nous avons marché ensemble plus loin, mythe après mythe? Qui a dit que nous devions être étrangers alors que nous écoutons la même musique? Nathalie Andal. Donc c'est la nouvelle collection de poésie de Mémoire d'un crié pour les 20 ans. Et j'aime beaucoup parce que ça vient avec des photos. Les auteurs choisissent une photo. Et ça, c'est une photo de la petite fille de l'auteur, la petite fille de Rita, qui est sur la photo ici. Donc merci, et que poétiquement vôtre, j'espère qu'on continuera à lire de la poésie, parce que c'est ce qui nous maintient debout, c'est la poésie. Merci. Merci. Okay.